Vous vous rappelez sûrement ce que nous avons fait en quatrième, quand nous avons parlé du triangle et de la proportionnalité dans le triangle. Si je trace une droite parallèle à BC, je vais prendre mon équerre et la règle. Si je trace une droite parallèle à BC, donc je mets ma règle contre l'équerre, et vous n'avez plus qu'à faire glisser votre équerre. Voici ma droite. Elle coupe ici AC en E et AB en F, par exemple. Eh bien, nous avons vu qu'il y avait proportionnalité entre le grand triangle qui se trouve ici, entre les longueurs des côtés de ce grand triangle, et les longueurs correspondantes du petit triangle qui est ici. AB sur AF, c'est pareil que AC sur AE, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité, c'est pareil que BC sur EF. Donc, le conseil pour essayer de bien mettre les rapports, les points dans le bon ordre, c'est toujours, à mon avis, de démarrer de ce point ici, du sommet du triangle. AB sur AF égale AC sur AE égale BC ou CB sur EF. Alors, dans ce qui nous intéresse maintenant, dans ce qu'a trouvé le mathématicien Thalès, le théorème de Thalès. Eh bien, le théorème de Thalès, il va généraliser ce que nous avions vu en quatrième. Donc, si je considère que j'ai maintenant deux droites qui vont être sécantes ici, et deux parallèles qui viennent, deux parallèles qui coupent les deux droites sécantes en question. Donc, qu'est-ce que j'ai pour pouvoir parler du théorème de Thalès? J'ai deux droites sécantes et deux droites parallèles entre elles qui viennent couper ces droites sécantes. À ce moment-là, je prends AB sur AF égale AC sur AE. On ne se trompe pas de triangle, hein. Chaque fois on pense au triangle si on ne sait plus. Égale BC sur EF. Voici ce que nous dit le théorème de Thalès. Je peux avoir plusieurs configurations où Thalès va s'appliquer. Je disais donc que deux droites doivent être sécantes. Moi, j'ai pris deux exemples avec deux droites sécantes à chaque fois. Et puis, j'ai deux droites parallèles. Alors, une droite parallèle qui vient couper mes deux droites, mais je peux très bien avoir la deuxième droite de l'autre côté, là. Donc, si je trace ma droite parallèle à celle-ci, donc qui va se retrouver ici. La voici, la deuxième droite. Et puis, en dessous, je peux donc avoir mes deux droites parallèles, mais là, c'est un cas qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vu en quatrième, ce dont je parlais il y a quelques instants. J'ai ce coup-ci une configuration qui va me rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, nous sommes donc dans deux configurations où je peux utiliser le théorème de Thalès. Hein, ici, tout se passe comme si on avait déplié le petit triangle. Hein. Ici, imaginez ce qu'on a fait il y a quelques instants. Donc, c'est comme si on avait le petit triangle de déplier ici de l'autre côté. Donc, on va toujours pouvoir réfléchir en utilisant cette idée du triangle. Donc, ne pas se tromper de triangle, ça va me donner... Alors, je vais quand même, pour faciliter la chose, mettre des lettres A, B, C, D, E. Je
conseille de toujours démarrer par le point d'intersection, ici, des deux droites. Donc je commence par le premier triangle. CB sur CD égale CA sur CE égale AB sur DE. Les côtés de ce triangle sont proportionnels aux côtés de ce triangle. Hein, alors dans ce cas-là, c'est comme si j'avais rabattu ce triangle. Si j'appelle ici F, le point G, H, IJ. Donc je conseille toujours, on démarre toujours du point d'intersection, on prend un triangle grand. Allez, FH sur petit triangle, FG égale FJ sur FI égale AJ sur GI. À mon avis, la difficulté pour le théorème de Thalès, c'est toujours de bien trouver les rapports avec les bons points. Alors, je vous conseille de penser à deux choses. D'abord, démarrer toujours par le point d'intersection. Et puis ensuite, de penser à ce qu'on a fait en quatrième. De toujours penser qu'on est en train, en fait, de travailler avec deux triangles. Et de dire que finalement, les côtés de ces triangles sont proportionnels. Donc si je reprends ce que j'avais fait ici, je peux très bien démarrer par le petit triangle. Hein. Donc ça me donnerait ici CD sur CB égale le petit CE sur CA égale DE sur AB. Ici, qu'est-ce que j'ai ? FH, je démarre par le grand triangle, hein. FH sur FG égale FJ sur FI égale AJ sur GI. Voilà deux configurations de Thalès, la première on l'appelle en papillon. Voyons à quoi peut me servir le théorème de Thalès. Par exemple, j'ai une figure ici, je sais que BD est parallèle à CE, et j'ai un certain nombre de mesures qui me sont données, AC, AB, AE, et on me demande de calculer la longueur de AD, la longueur du segment AD. Bon, déjà, je regarde. Je m'aperçois que je suis bien dans une configuration de Thalès, j'ai deux droites sécantes, et puis j'ai deux parallèles qui coupent ces deux droites. Alors, une fois que j'ai reconnu qu'il y avait une configuration de Thalès, je sais qu'en mettant mon stylo ici, en démarrant du point d'intersection, je peux écrire l'égalité des rapports. Mais je ne vais pas à chaque fois écrire tous les rapports, je vais seulement m'intéresser aux rapports qui m'apportent quelque chose là. Si je regarde AC, AB, pour bien les voir sur mon dessin, ici j'indique que j'ai 8, ici j'indique que j'ai 5, AD, je ne le connais pas, et AE, ça me fait 5,6. Donc qu'est-ce que je vais écrire là comme rapport? Je ne vais pas m'occuper des deux longueurs qui sont là, elles ne m'intéressent pas. Je vais partir de A et je vais écrire l'égalité des rapports de AC sur AB, est égal à AE sur AD. Donc, qu'est-ce qu'on a ? AC 8 sur 5 égale 5,6 sur AD que je cherche. Ici, je peux faire l'égalité des produits en croix. Donc, 8 fois AD, c'est égal à quoi? À 5,6 fois 5. Donc, AD égale 5,6 fois 5 sur 8 égale à 3,5 cm.
Attention, la recherche que je viens de faire ici, c'est comme si c'était une recherche que j'ai effectuée au brouillon. Maintenant, il s'agit de rédiger. Je dois d'abord signaler que j'ai reconnu que la configuration est une configuration de Thalès. Donc, je signale que AC et AE sont sécantes en A. Qu'est-ce qu'il faut en plus pour avoir une configuration de Thalès? Il me faut ces deux droites parallèles, BD et parallèle à CE. Comment je le sais tout ça? Je le sais d'après l'énoncé. Donc, d'après le théorème de Thalès, et là je vais écrire les deux rapports qui m'intéressent, AE sur AD égale AC sur AB. Donc, remplaçons par les valeurs 5,6 sur AD égale 8 sur 5. Produit en croix. Donc, 8 fois AD égale 5,6 fois 5. Donc, AD égale 5,6 fois 5 sur 8. 5,6 fois 5 sur 8, j'avais trouvé 3,5 cm. Donc, quand vous rédigez votre problème, première chose à dire, pourquoi vous avez reconnu que c'était une configuration de Thalès? Deux droites sécantes, deux droites parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on écrit l'égalité des rapports qui nous intéressent et on termine le travail. Imaginons qu'on ait deux droites sécantes, qu'on ait deux droites qui coupent ces droites et que le théorème de Thalès se vérifie. Ici, on aurait 5 cm, ici 2, ici 7,5, et puis ici 3. Si je fais 5 sur 2, c'est égal à 7,5 sur 3, Thalès se vérifie. Le théorème de Thalès est vérifié. Alors si on faisait vraiment la figure, on aurait donc une droite, ici une autre droite séquente à la première. On a, attention, 2 cm ici, 5 cm ici, ici 3 cm et ici 7,5. Je trace les deux droites. Et je m'aperçois que ces deux droites sont parallèles. Donc finalement, si on est dans une situation où on a deux droites sécantes, et puis deux droites qui coupent ces droites sécantes, si les rapports sont égaux, eh bien on s'aperçoit que forcément cela veut dire que les droites sont parallèles. C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Donc si je nomme les points ABC ici, A, D, E, si on a ABC aligné dans cet ordre, et ADE aligné dans cet ordre sur deux droites sécantes, si AC sur AB est égal à
AE sur AD, alors forcément, les deux droites BD et CE sont parallèles. C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème de Thalès? Il nous dit, si j'ai deux droites parallèles, alors mes rapports sont les mêmes. Bien, la réciproque, elle nous dit, si les rapports sont égaux, alors forcément, les droites sont parallèles. Prenons la situation suivante. On a deux droites sécantes, on a ABC aligné dans cet ordre, ADE également, et on sait que AC égale 6, AB égale 2 cm, AE égale 9 cm, AD égale 3 cm. Démontrer que BD est parallèle à CE. Bon, on reconnaît évidemment une situation qui ressemble à celle d'une configuration de Thalès. On n'est évidemment pas sûr que les deux droites sont parallèles, c'est ce qu'il faut montrer. Donc il faut montrer que Thalès, que les rapports sont égaux, AC sur AB, AE sur AD, et utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Mais alors, soyons précis dans notre rédaction. On s'intéresse d'abord au rapport. On a AC sur AB égale 6 sur 2 égale 3. Si je prends maintenant AE sur AD, c'est égal à 9 sur 3, c'est aussi égal à 3. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ces deux rapports? AC sur AB, c'est égal à AE sur AD. Alors, pour avoir une rédaction qui soit complète, il faut que je précise que ABC est ADE sont alignés dans le même ordre. Alors une fois que j'ai ces deux conditions vérifiées, je peux dire que je suis en situation d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? BD est parallèle à CE. Donc j'applique la réciproque après m'être assuré que les deux conditions d'application étaient remplies. J'ai les rapports qui m'intéressent égaux et j'ai l'alignement des points dans le même ordre. Dans l'exemple que nous venons de voir, nous sommes donc dans une configuration de Thalès, deux droites parallèles, et on a AC sur AB qui est égal à 3, AE sur AD qui est égal à 3, évidemment CE sur BD qui est égal à 3. C'est-à-dire que si je regarde ce petit triangle, ces dimensions, les dimensions de ce triangle sont chacune trois fois plus petites que la dimension correspondante du grand triangle. On dit que ABD est une réduction du triangle ACE. Alors, ce qui est intéressant dans une réduction, c'est que chaque longueur est diminuée du même nombre de fois, mais il y a conservation des angles. L'angle ici, BAD, ben, il va être le même que l'angle CAE. Cet angle ici, ACE, il est forcément le même que celui-ci. Pourquoi? Rappelez-vous, ces deux angles-là sont communs.
correspondant. On a deux droites parallèles, les deux angles là sont correspondants. Et pour la même raison, cet angle ici va être bien sûr le même que celui-ci. Donc, une réduction ou un agrandissement conserve les angles. Donc, s'il conserve les angles, il conserve aussi les parallèles ou les perpendiculaires. Et on a donc un coefficient de réduction qui nous permet de passer de la longueur AC à la longueur AB. AB, ce sera AC multiplié par 1 tiers. Voilà le coefficient de réduction, ce qui me fera AC multiplié par 0,333, etc. Alors, de la même façon, AD sera égal à AE multiplié par 1 tiers. Et puis, on aura la même chose pour BD. BD sera égal à CE multiplié par 1 tiers. Ce coefficient de réduction, on le nomme souvent K, par la lettre K. Ici, mon coefficient de réduction est de 1 tiers. Alors, de la même façon que le petit triangle ici, ABD, était une réduction du grand triangle, le grand triangle, on pourrait le considérer comme un agrandissement du petit triangle. Bon, c'est le même raisonnement, sauf que mon coefficient d'agrandissement, il sera plus de 1 tiers, il sera de 3. AC égale 3 fois AB. AE égale 3 fois AD. CE égale 3 fois BD. On peut donc ainsi réduire ou agrandir des figures. Il va suffire d'utiliser le coefficient de réduction ou le coefficient d'agrandissement, sachant que les angles sont conservés. Tracer la réduction de ABCD en utilisant un coefficient de réduction de 0,8. Bien, si j'applique mon coefficient de réduction à AB, j'aurai, on va appeler la réduction A', B', C', D'. Donc j'ai A', B' égale à 6 multiplié par 0,8. 6 fois 8, 48, je retiens 4. 6 fois 0, 0. Et 4, cela me donne 4,8. 4,8 centimètres. Donc première chose, A', B', 4,8. Voici. On va l'appeler A', B'. La réduction conserve les angles. Donc ici, AD va rester perpendiculaire à A', B'. AD faisait 4 cm. Donc A', D', ça me fait 4 multiplié par 0,8. 4 fois 8, 32. Donc 3,2 cm. Alors attention, il s'agit ici de prendre l'équerre. Bien prendre là où il y a l'angle droit. On démarre. Et on a ici une longueur de 3,2. J'arrive ici. Alors attention, l'angle droit est bien sûr toujours là. Et j'ai ici des primes. Les angles en général sont conservés. J'ai toujours ici, donc, 120 degrés. Et 120 degrés, donc je vais avoir ici. Alors attention, 100, 110, 120, je suis ici. J'ai 120 degrés et je vais avoir une longueur ici pour D', C' qui sera aussi de 4 cm. C'est-à-dire que quand vous avez deux longueurs égales au départ, quand vous réduisez comme vous réduisez de la même façon, vous avez toujours la même longueur. Donc ici je sais que cette longueur a D'. Je la retrouve ici sur D', C'.
Donc je n'ai plus maintenant qu'à tracer ici, en faisant attention de respecter l'angle, et je m'arrête à l'endroit où j'ai fait le trait au compas. Voilà. Donc je suis ici à C'. Ici, bien sûr, j'ai toujours 120 degrés. Bon, bah, j'ai même pas besoin de faire de calcul pour le dernier segment. Je trace le segment pour terminer mon quadrilatère. J'ai donc A', B', C', D', qui est une réduction de ABCD. Le théorème de Thalès et sa réciproque. Avant de parler du théorème de Thalès, parlons déjà de ce que veut dire ce mot réciproque. Prenons une phrase en français, une phrase quelconque. Si un bâtiment a un clocher, alors ce bâtiment est une église. La réciproque est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je commence par la deuxième partie de la phrase, si ce bâtiment est une église, alors forcément ce bâtiment a un clocher. La réciproque, elle est vraie. De la même façon, si je disais « je vais toutes les semaines chez ma sœur », la réciproque est vraie, ça voudrait dire que ma sœur vient chez moi également toutes les semaines. Donc il y a certaines propriétés en mathématiques où la réciproque est vraie. Par exemple, si vous prenez la propriété suivante, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Bon. Et maintenant, si vous prenez la réciproque, si vous avez les diagonales d'un quadrilatère qui se coupent en leur milieu, alors le quadrilatère est un parallélogramme. C'est vrai également. La réciproque est vraie. Bien, parlons maintenant du théorème de Thalès. Cette propriété, elle peut s'appliquer si on a deux droites sécantes et si on a deux droites parallèles qui viennent couper ces droites sécantes. Donc il est très important, quand on aura des exercices ou des problèmes, de bien préciser qu'on est dans ce qu'on appelle une configuration de Thalès, qu'on peut appliquer Thalès. Alors pour appliquer Thalès, le meilleur moyen, vous démarrez toujours par le point d'intersection, AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Pensez à ce que nous avons appris en quatrième sur la proportionnalité dans le triangle. C'est comme si on avait ici un grand triangle, un petit triangle. On sait que les longueurs correspondantes sont proportionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer finalement? C'est le coefficient de proportionnalité. Ici, de la même façon, allez, je démarre par AC. AC sur AN égale AB sur AM égale BC sur MN. Si vous pensez au triangle comme vous l'avez vu l'an dernier, alors ici, vous avez ce qu'on appelle une configuration en papillon. Vous avez deux droites sécantes, vous avez les deux droites parallèles. C'est un peu comme si les deux triangles s'étaient dépliés en quelque sorte. Eh bien, c'est toujours pareil. Si je démarre par le grand triangle, AN sur AC, je continue sur le grand triangle, égale AM sur AB, je continue sur le grand triangle, égale MN sur CB. Alors la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que si vous avez des droites qui se coupent, et puis que vous avez deux droites ici, qui viennent et qui sont apparemment sécantes, si vous arrivez à vérifier que Thalès, entre guillemets, fonctionne, si vous avez des rapports de distance égaux, vous pourrez dire à ce moment-là que les droites sont forcément parallèles. Puisque tout à l'heure, il fallait que les droites soient obligatoirement parallèles pour qu'on puisse appliquer le théorème de Thalès. Donc attention, là aussi, on regarde d'abord si on est bien dans une configuration où on a les points alignés dans le bon ordre, et on vérifie ensuite les rapports. Si les rapports sont égaux, comme ici, on peut dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, qu'on a bien BC parallèle à MN. Pourquoi c'est important de bien préciser que AMB et ANC sont alignés dans
dans le même ordre. On pourrait très bien avoir les rapports qui fonctionnent en ayant n ici, par exemple, regardez, si n était de l'autre côté, eh ben on aurait bien, à la même distance, hein, on aurait bien les rapports égaux, et pourtant, on ne pourrait pas conclure que BC et MN sont parallèles. Donc, attention dans la rédaction de nos exercices. Prenons un exemple d'exercice pour bien voir la façon de rédiger. On a sur la figure 6 contre les renseignements suivants, BG égale 4,9, etc., démontrer que RF est parallèle à GD. Bon. On précise qu'on est dans une situation où on a bien les points alignés dans le même ordre. À ce moment-là, quand ces points sont alignés dans le même ordre, on s'intéresse aux rapports qui peuvent nous conduire à conclure que d'après la réciproque du théorème de Thalès, FR est parallèle à GD. Si vous vérifiez que deux rapports sont égaux, ça suffit. Vous n'êtes pas du tout obligé de vérifier le troisième rapport, qui existe toujours, hein, bien sûr. La propriété que nous avions vue en quatrième, si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle, c'était un cas particulier de la réciproque, bien sûr, maintenant vous le comprenez, du théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agrandissement? Qu'est-ce que c'est qu'une réduction? Quand on multiplie par un nombre k toutes les longueurs d'une figure, on obtient un agrandissement de la figure si k est plus grand que 1. Mais si k est inférieur à 1, s'il est compris entre 0 et 1, on obtient ce qu'on appelle une réduction de la figure. Hein. Si vous partez ici d'une longueur qui fait 9 et que vous prenez un coefficient de réduction égal à 0,5, ça veut dire que vous allez multiplier 9 par 0,5, donc vous allez obtenir 4,5, vous allez faire une réduction. Le triangle ADE est un agrandissement du triangle ABC, le triangle ABC est une réduction du triangle ADE. Et pour trouver K, on peut faire le rapport des distances. Alors dans un agrandissement, les mesures des angles sont conservées forcément, comme vous pouvez le constater par exemple ici dans l'exemple. Ce qui est important, c'est que finalement, ça veut dire que quand vous avez des côtés qui sont perpendiculaires, eh bien, ils vont rester perpendiculaires. Si vous avez des segments parallèles, ils vont rester parallèles. Il y a conservation de la perpendicularité et du parallélisme. Hein, on pourrait montrer qu'ici, GH est parallèle à IJ, en montrant que les deux angles correspondants ici restent égaux. Ce qui est le cas puisque notre réduction ou notre agrandissement conserve les angles. On a parlé pour l'instant de l'agrandissement ou de la réduction d'une figure. Si on a rapport k, ça veut dire que toutes les longueurs sont multipliées par k. Si k est plus grand que 1, j'agrandis. Si k est plus petit que 1, je réduis. Mais alors, que dire de la surface? Parce que finalement, la surface ou l'air, elle dépend de deux longueurs. Si je fais l'air d'un rectangle, c'est bien longueur fois largeur. Donc, le k va être multiplié par lui-même, puisque je multiplie par k chaque longueur. Donc, finalement, c'est logique de penser que l'air de la surface ne va pas être multiplié par k, mais par k au carré. Et le volume, lui, il dépend de combien de longueurs? Eh bien, de trois longueurs. Alors, ça va nous donner quoi? Le volume d'un solide, il va être multiplié par k au cube. En clair, par exemple, si ici j'augmente de 3 fois, dans l'exemple ici, 3 fois la longueur de AC, ça veut dire que dans toute la figure, toutes les longueurs, je les multiplie par 3. Eh bien, toute la surface, elle n'est pas multipliée par 3, elle est multipliée par 3 au carré. Ça veut dire que l'aire de la surface ADE,
a été et combien de fois plus grande que la surface du petit triangle ACB? Eh bien, 9 fois. Alors que chaque longueur a seulement été multipliée par 3. Ici, même situation, je multiplie chaque longueur par 3, mais le volume lui-même va être 27 fois plus grand.